Bonjour à tous, c'est Thibaut, sans barbe, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne YouTube pour cette vidéo s'endormir facilement grâce à la technique du body scan. Alors la technique du body scan, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, comme son nom l'indique, c'est juste prendre le temps de scanner son corps de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, comme vous voulez, mais juste de prendre le temps de le faire avec la plus grande intention et attention possible. Cette technique toute simple permet vraiment de faciliter l'endormissement. Et je me suis rendu compte, en discutant avec les gens un peu autour de moi, qu'il y avait peu de gens en fait qui la connaissaient. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo, une séance d'hypnose spécialement axée sur la technique du body scan. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo, c'est que cette vidéo sera pour une fois sans ambiance et sans musique. Je sais qu'il y en a parmi vous certains qui préfèrent vraiment ce type de vidéo, ce type de séance où il n'y a rien autour. J'en avais pas encore fait sur la chaîne, donc voilà, c'est la première. Et évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le bouton abonnement et à cliquer sur la petite cloche à côté pour être prévenu lors des nouvelles séances qui sortiront directement sur la chaîne. Voilà, je vous remercie d'être là pour cette vidéo. Je vous laisse vous installer confortablement et mettre vos écouteurs. La séance commence dans 10 secondes. À bientôt. Pour le moment, installez-vous dans votre lit, de la manière la plus confortable possible. Peut-être que pour vous, c'est être allongé sur le côté, ou bien allongé sur le dos, être recroquevillé ou prendre le plus d'espace possible. Et juste prenez le temps de trouver la position la plus agréable pour vous maintenant. Et quand ce sera fait, alors je vous propose de commencer ce body scan. Lorsque vous referez cette technique tout seul, pour vous endormir, vous pourrez le faire comme vous le voulez, dans le sens que vous le voulez. En partant des pieds jusqu'à la tête, de gauche jusqu'à droite, de droite jusqu'à la gauche, mais pour le moment, nous allons apprendre à le faire en partant de haut en bas, de la tête aux pieds. Pour le moment, fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur le contact de votre tête avec l'oreiller. Concentrez-vous seulement sur ce contact-là. Est-il froid? Chaud? Est-ce que l'oreiller est mou ou est-ce qu'il est dur? Si vous êtes posé d'ailleurs sur votre bras, vous pouvez être curieux également de savoir si vous ressentez les sensations du bras ou les sensations de la tête à cet endroit-là. Mais pour le moment, concentrez-vous sur ça, la sensation de la tête posée. Et plus vous vous concentrez sur cette sensation-là, et plus la tête peut continuer à se poser, à s'enfoncer dans cet oreiller, à se relâcher de plus en plus. Et à chaque fois qu'elle se relâche, à chaque fois que la tête descend d'un millimètre, alors déjà, vous pouvez sentir comme quelque chose changer en vous, comme une légère sensation de glissement, peut-être de l'endormissement, mais vous n'y prêtez pas vraiment attention. Pour le moment, vous portez votre attention sur le fait que la tête se lâche et le contact contre l'oreiller se fait de plus en plus profond, de plus en plus présent. Et vous pouvez également être curieux de ce qui se passe sur votre visage. Est-ce qu'il y a un souffle d'air? Est-ce qu'il y a une sensation ici encore de chaud ou de froid? Est-ce que le côté gauche du visage est plus froid que le côté droit? Où est-ce le côté droit?
Et vous pouvez même sur ce visage détailler les sensations du haut en bas, partir du front, et essayer d'y ressentir tout ce que vous pouvez y ressentir, la température, l'humidité, le contact de l'air. Essayez comme de zoomer à un endroit sur votre peau. De zoomer pour récupérer toutes ces sensations à cet endroit précis. Et plus vous zoomez, plus vous sentez des choses sur le visage. Plus vous y êtes attentif, réellement. Continuez à scanner le bas du visage maintenant, le nez, la bouche. Qu'est-ce que vous ressentez à cet endroit-là? Là encore, y a-t-il des différences de température? Et plus vous ressentez des choses, des détails, et plus vous pouvez laisser votre corps encore plus se relâcher en entier, tout en restant concentré sur votre visage, vous pouvez sentir vos mains s'apesantir, les bras se relâcher, les épaules tomber légèrement, et juste être curieux de cette sensation-là, ce lâcher-prise qui s'installe, alors que vous n'y faites même pas attention. Faites également attention à votre nuque, à cet endroit-là où souvent, au cours de la journée, de la semaine, vient se poser des lourdeurs, des stress, des anxiétés. Et quand vous posez votre attention sur cette nuque, alors instantanément, elle commence à se détendre, à relâcher. Je me demande si ce relâchement se fait d'abord du côté droit ou du côté gauche ou de l'arrière de la nuque. Je ne sais pas exactement comment vous ressentez ça. Mais faites juste attention au fait que la nuque se relâche. Et qu'à l'intérieur, le glissement continue, la décontraction continue de s'installer. La respiration devient même plus profonde encore, plus ample. Alors que vous restez sur la nuque, qui continue de se détendre, la cage thoracique se soulève de plus en plus, et laisse rentrer de plus en plus d'air. Et lors de l'expiration, le ventre également se referme un peu et pousse l'air à l'extérieur. Les respirations deviennent de plus en plus amples, de plus en plus agréables, de plus en plus calmes, sereines, centrées. Et la nuque continue de se détendre, la tête automatiquement continue d'être de plus en plus lourde à l'endroit où vous l'avez posée. Et maintenant portez votre attention sur vos épaules. Et portez votre attention sur le fait de sentir la musculature de ces épaules, sentir sous votre peau les tendons, les muscles, les os. Les voyez-vous quand vous les imaginez?
Et de quelle manière les imaginez-vous derrière ces paupières closes? Imaginez ce qu'il se passe dans cette épaule-là, quand les muscles se relâchent, quand la respiration, de plus en plus ample, installe cette sensation de relaxation dans les épaules, cette sensation de lâcher prise. De quelle manière voyez-vous l'épaule se relâcher? Et commencez quand l'épaule se relâche. Quelle sensation ça fait? Soyez juste curieux d'explorer un peu ça. D'explorer juste la sensation quand les épaules se relâchent. Qu'est-ce que vous ressentez? Lorsque vous expirez et que ces épaules à leur tour expirent ensemble, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Sentez-vous ce glissement? Ce léger mouvement vers les bras de Morphée. Et tandis que vous laissez les épaules se relâcher, la nuque se détendre, la tête s'enfoncer encore un peu plus dans l'oreiller, le visage se relaxer à son tour, les pommettes calmes, les joues détendues, les yeux fermés, le front totalement détendu. Alors vous pouvez porter votre attention sur les bras. Et vous concentrez sur d'abord le point de contact entre la surface des draps et la surface des bras. Comment les bras sont posés sur le matelas? Comment la couette ou le drap est posé sur ce bras-là? Quel contact sentez-vous à quel endroit? Et à quel endroit du bras n'y a-t-il pas de contact? Sentez-vous passer à certains endroits de l'air? Quelle en est la température? Comme depuis le début de cette séance, soyez juste attentif aux sensations. Soyez juste attentif à tout ça, à tout ce que vous pouvez ressentir là. Ne faites pas attention à la respiration qui se calme encore, s'approfondit. Ne faites pas attention à tous les autres muscles à l'intérieur de votre corps qui, là encore, se relâchent et se relâchent encore. Portez seulement votre attention sur l'air qui frôle la peau de vos bras, sur les endroits où vous pouvez avoir chaud et ceux où vous pouvez avoir froid. Concentrez-vous seulement sur ça. Et sentez derrière ces sensations les muscles des bras se détendre, se relâcher, les bras s'affaisser de plus en plus,
s'allonger dans ce lit. Faites juste attention à cette détente qui s'installe de plus en plus. Et évidemment, plus les bras se détendent, plus le corps en entier se détend, plus la respiration est profonde, et plus les bras se détendent. Et les mains à leur tour ressentent cette légère relaxation rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Les doigts peuvent se détendre également. Le poids, la pesanteur dans la main peut se faire de plus en plus présent, de plus en plus inscrit dans chacune des cellules des mains. Et vous pouvez l'imaginer, le voir et le ressentir. Et plus la main devient lourde et s'enfonce dans le lit, et plus la respiration est profonde, l'esprit glisse, la relaxation s'installe partout dans le corps, et à chaque expiration, vous vous rapprochez encore un peu plus d'un état de sommeil, d'un état profond, positif, détendu, d'un moment réellement bienveillant pour votre corps et pour vous. Et maintenant, portez votre attention sur le torse qui se lève et se rabaisse au rythme des respirations. Et soyez curieux de remarquer comme cette pensée-là, le fait de juste prendre du temps pour soi, ne pas chercher à s'endormir mécaniquement, mais y mettre de l'attention, créer un moment qui nous est entièrement dédié, avec cette bienveillance, ce regard positif qu'on peut avoir sur nous. Soyez attentif à ce que ça peut créer à l'intérieur du corps et peut-être même à l'intérieur du torse. Sensations légères, peut-être, ou lourdes pour d'autres. Soyez juste attentif à ce que ça crée, ce que ça fait bouger. Et avec cette sensation-là, laissez toutes les zones que vous avez déjà scannées, dont vous vous êtes déjà occupé, continuez à se détendre, à se relâcher, à être de plus en plus calme et de plus en plus détendu. Et faites juste attention, dans votre torse et dans votre ventre, à cet air qui rentre et qui sort. Certains profitent de ce moment pour faire le tri entre les apprentissages de la journée qu'ils veulent garder et ceux dont ils veulent se libérer. Alors là, maintenant, au moment où vous êtes en train de vous endormir, posez-vous cette question. Quel est l'apprentissage, le souvenir de la journée que vous voulez garder avec vous? Et si vous en avez un, alors imaginez-le. Imaginez-le vraiment, la couleur, les sons, les personnes qui sont là. Et ce que vous avez ressenti au moment où cette action s'est passée,
et ressentez-le à l'intérieur de vous. Et alors, une fois que vous avez tout imaginé, une fois que la plupart des informations sont là, comme si vous étiez présent à cet endroit-là maintenant, alors à ce moment, faites une grande inspiration et imaginez et ressentez ce moment rentrer à l'intérieur de vous, par les narines, la bouche, par le contact de la peau. Je ne sais pas exactement ce que vous allez imaginer, mais voyez et ressentez ce souvenir, cette sensation, cette émotion rentrer à l'intérieur et se ranger à un endroit précis, à un endroit où à partir de maintenant vous saurez que c'est là, toujours avec vous. Je me demande quel endroit vous allez choisir, ou bien à quel endroit lui va se loger. La tête, le ventre, le cœur, ou peut-être un tout autre endroit. Mais laissez-le s'installer. Et vous pouvez même, derrière ses paupières closes, dans votre imagination, le voir à cet endroit-là dans votre corps, voir la forme de ce souvenir, le bruit qu'il fait, la taille qu'il fait, et sentir comme c'est agréable d'avoir à l'intérieur quelque chose qu'on veut garder pour soi, pour longtemps. Et de la même manière, peut-être que vous avez une sensation ou une émotion dont vous aimeriez vous débarrasser. Quelque chose qui s'est passé aujourd'hui ou peut-être les derniers jours. Ou peut-être depuis plus longtemps même. Juste quelque chose dont vous aimeriez vous débarrasser maintenant. Alors encore une fois, imaginez-le. Ne rentrez pas totalement à l'intérieur, juste voyez cet endroit, peut-être, ou ce souvenir, ou cette personne, ou entendez la phrase. Essayez de rendre cela le plus vivant possible, peut-être en rajoutant de la couleur, en rajoutant du son, de la précision dans les gestes, dans les personnes. Mais ne rentrez pas à l'intérieur. Regardez-le comme de l'extérieur, comme sur une télévision. Regardez cette chose comme faisant partie du monde extérieur, pas de vous, pas de ce que vous êtes, juste comme une expérience que vous avez regardée, vue, et c'est tout. Regardez tout cela sur cette vieille télé devant vous. Regardez la scène se passer. Et puis, comme si la qualité de la télé remontait dans le temps, laissez le son se dégrader peu à peu, devenir un peu plus saccadé, un peu plus aigu, comme les vieilles émissions d'avant. Voyez l'image passer en noir et blanc, la qualité qui se détériore un peu, beaucoup, l'image qui tremble, des traits blancs qui apparaissent à l'écran. Et puis lors d'une expiration, faites disparaître cette télé au loin, comme si le souffle de l'air, on voyait tout cela valser. Très loin, très très loin. Et voyez cette télé disparaître au loin, devenir comme un petit point sur l'horizon. Et elle disparaît, pour de bon, avec tous les sons,
avec toutes les pensées, avec tout ce qu'elle pouvait renfermer. Et rien que cette pensée peut encore plus vous aider à vous détendre, à vous sentir bien, à vous accueillir. Les muscles peuvent continuer à encore plus se détendre et se décontracter. La respiration peut être encore plus calme de cette idée de s'être débarrassé de quelque chose. Un souffle plus profond et pourtant quelque part plus allégé. Et puis pour reprendre le body scan, vous pouvez vous concentrer maintenant sur les jambes, sur la position des jambes simplement, la manière dont peut-être elles sont croisées l'une sur l'autre, ou pas du tout, la manière dont elles touchent le drap, en dessous d'elles, au-dessus d'elles également. Et encore une fois, l'air lui-même, qui est au contact de votre peau, au contact de chacune des cellules de votre peau. Et plus vous faites attention à ça, à cet air, à ces sensations de toucher, dessus, en dessous, partout sur la jambe, et plus vous faites attention aux muscles à l'intérieur de votre jambe, et à la manière dont ils se détendent et se décontractent, à la manière dont, à peine, vous mettez votre attention sur ce muscle-là, et il se détend. Ce muscle peut être comme bercé par la respiration, comme bercé par le flot de vos pensées, qui se calment de plus en plus et se détendent à nouveau, s'étendent dans le temps et l'espace, comme peut le faire la jambe à ce moment-là, qui devient de plus en plus lourde et de plus en plus décontractée. Sentez les talons se planter de plus en plus dans le matelas. Ce point d'ancrage qui sont les pieds, qui s'ancrent de plus en plus dans le sol. Et pour finir, portez votre attention sur l'ensemble du corps, sur toutes ces sensations qui vous traversent là maintenant, sur la peau, sous la peau, à l'intérieur des muscles qui continuent de se décontracter et de se détendre. Ressentez tout cela. Ressentez à nouveau ces jambes qui se décontractent. Cette main de plus en plus pesante, et les doigts également, ses coudes et ses épaules qui se relâchent et s'enfoncent dans le matelas, la colonne vertébrale qui se détend à chacune des respirations et à chacune des pensées, la tête qui gagne encore en pesanteur, et encore en pesanteur. La séance arrive à son terme. Et si vous n'êtes pas encore totalement endormi, alors je vous invite à continuer ce body scan général et peut-être, à un moment, à repasser sur un body scan classique en allant d'un côté à l'autre, d'un endroit à l'autre du corps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne.